Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle rencontre hors normes, votre rendez-vous de la normalisation où on vous fait rencontrer les humains derrière les normes. Alors, je me présente, Marie-Claude Drouin, je suis la secrétaire générale du réseau Normalisation et Francophonie, un important réseau dans la francophonie économique qui regroupe plus de 30 pays de l'espace francophone. En fait, on regroupe les organismes nationaux de normalisation de tous ces pays-là de l'espace francophone, ceux qui font les normes. Alors, les normes, ce sont d'importants outils de développement économique pour deux raisons. Tout d'abord, ce sont des outils, comme je le disais, des outils de développement économique qui nous servent, et d'intelligence économique, qui nous servent à créer de la valeur dans les entreprises. En s'y conformant, les entreprises voient non seulement leur productivité augmenter, mais elles se donnent des clés pour intégrer les marchés. Ce sont également des outils de diplomatie économique. Qui fait la norme, fait le marché. Participer à l'élaboration des normes, que ce soit pour les pays ou pour les entreprises, c'est une enceinte pour porter votre voix et s'assurer que les normes qui font le marché satisfont vos attentes. Alors, sans plus tarder, je vous rappelle que notre rencontre est diffusée sur Facebook et sur LinkedIn et je vous invite à vous abonner à notre site web ainsi qu'à nos médias sociaux. Pour favoriser le dynamisme de la rencontre, n'hésitez pas à indiquer au bas de l'écran d'où vous venez. On aime toujours ça vous saluer, savoir de quel endroit de la francophonie vous êtes. Et aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. On a un modérateur qui les prend en note et qui va nous les transmettre séance tenante. Alors, sans plus tarder, on passe à notre sujet d'aujourd'hui, la COVID. Qui est presque terminé, j'espère. En tout cas, je ne sais pas chez vous, dans votre francophonie, mais ici au Québec, là, on commence vraiment à avoir des mesures d'atténuation intéressantes. Mais néanmoins, cette pandémie-là a quand même créé des impacts. Et j'aurai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec le directeur de l'Observatoire de la francophonie économique, Monsieur Brahim Boudarba, qui vient tout juste de publier un ouvrage entièrement dédié aux mesures des impacts de cette pandémie-là sur notre francophonie économique. Alors, Monsieur Boudarba, bonjour. Bonjour, Madame Drouin. Merci Grand pour plaisir. L'invitation. Ça me fait bien plaisir, grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Écoutez, l'Observatoire de la francophonie économique. Un jeune observatoire hein, créé en 2017. En fait, peut-être que pour vous, ça vous a paru long parce que je sais que vous travaillez très, très, très fort aux commandes de cet observatoire-là, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Créé par l'Université de Montréal en partenariat avec le gouvernement du Québec et l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la mission de l'observatoire? Bon, merci beaucoup encore une fois, Madame Drouin, pour l'invitation. Mesdames et messieurs, bonjour, partout dans la francophonie, partout dans le monde. Alors, permettez-moi d'abord aussi de réitérer mes remerciements et les remerciements de l'Université de Montréal, trois partenaires fondateurs de l'Observatoire, pour leur appui et soutien à notre mission. Il s'agit du gouvernement du Québec, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, je les remercie de nouveau. La mission de l'Observatoire, c'est d'être un centre de données probantes, d'expertise, de mobilisation et de transfert des connaissances sur la francophonie économique. Donc, c'est les trois principales missions et que nous avons, comme vous l'avez dit, réussi à mettre en œuvre malgré le jeune âge et malgré aussi la rupture qui a été causée par la COVID, notamment pour nos activités présentielles. Je pourrais citer rapidement quelques réalisations. Donc, nous avons une plateforme de données dans laquelle on trouve des données sur les indicateurs de développement économique, mais aussi en lien avec le sujet d'aujourd'hui, des données intéressantes sur la COVID, les cas confirmés, les décès, les cas quotidiens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir des données par pays francophone qui sont facilement identifiables sur la plateforme, mais aussi des données pour l'ensemble de l'espace francophone. Nous avons aussi un réseau d'experts composé d'une centaine de chercheurs de plus de 20 pays francophones. Nous organisons aussi des activités, notamment la conférence annuelle internationale sur la francophonie économique dont on pourrait parler tout à l'heure. Et finalement, nous avons, comme vous l'avez mentionné, beaucoup de publications, dont un rapport annuel, dont le dernier se rapporte à la COVID et ses impacts sur les économies francophones. Tout à fait. Puis vous avez bien fait de ressouligner l'importance des partenaires. On le sait, comme réseau, les partenaires, là, ce sont des piliers de notre action. Donc, on les salue encore une fois.
Écoutez, quand on a fait l'entrevue de préparation, vous et moi, moi, je vais vous dire, là, je suis un peu une fanat là, de l'actualité, de la politique et des données économiques. C'est un peu hobby sans être une spécialiste. Puis j'ai beaucoup lu sur la pandémie et les impacts de la pandémie. Et puis, vous avez fait état dans votre ouvrage de constats qui sont quand même particuliers sur comment la pandémie a frappé différemment nos différents pays nord-sud dans la francophonie. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Oui, effectivement. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, nous avons publié récemment, ou mis en ligne récemment, un ouvrage collectif qui s'intitule « COVID-19, impacts économiques et sociaux, politique de résilience et stratégie de politique de riposte et stratégie de résilience ». Et c'est un ouvrage qui est disponible sur notre site internet ofe.montréal.ca. Nous allons mettre l'adresse au bas de l'écran. Exactement. Donc, il est en accès libre. Et je voudrais remercier les cinquantaines de chercheurs de plus de 10 pays qui ont contribué à cet ouvrage qui comporte 16 études. Alors, comme vous l'avez mentionné, nous avons effectivement fait plusieurs constats. Un des constats, c'est que la COVID a frappé de façon différente les différentes régions de la francophonie économique. Alors, rappelons quelques faits brièvement. Dans le monde aujourd'hui, on recense presque 250 millions de cas de COVID, dont un peu plus de 5 millions de décès. On vient tout juste de franchir la barre symbolique de 5 millions. Dans l'espace francophone, comme moi ici, dans le cadre de ces chiffres que je vais donner, c'est les 54 États et membres de la francophonie, on recense un peu plus de 20 millions de cas et près de 415 000 décès. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la COVID a frappé de façon très différente, notamment lorsqu'on se concentre sur le continent africain. Le continent africain a enregistré 8 500 000 cas, dont 218 000 décès. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le un tiers des cas en Afrique ont été enregistrés dans le seul pays de l'Afrique du Sud. Donc, vous voyez, un tiers des cas. Précisément à peu près 34% des cas sont dans le seul pays de l'Afrique du Sud. Il y a un autre 30% dans les pays de l'Afrique du Nord, donc le Maroc, l'Algérie, Tunisie, Libye et Égypte, ce qui fait que entre l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, donc entre les deux, l'Afrique subsaharienne en particulier, on a à peu près le un tiers des cas qui ont été recensés en Afrique. Mais il faut faire attention, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas en Afrique est largement sous-estimé et qu'on devrait normalement multiplier ce chiffre par 7. Okay. Par conséquent, il faut s'attendre à peu près entre 59 et 60 000 nombre de cas. Et l'autre considération, et c'est là qu'on voit encore les grandes disparités selon les régions francophones, c'est l'accès à la vaccination qui reste très, très limité. Très, très limité en Afrique subsaharienne. Et selon les données les plus récentes de l'OMS, il y a seulement 3 pays africains qui ont atteint l'objectif de 40% avant la fin de l'année, 40% de la population vaccinée, le Maroc, les Seychelles et la Mauricie. Ces 3 pays francophones, puis il y a 2 autres pays francophones. C'est ça la bonne nouvelle, c'est les pays francophones qui sont en avance au niveau de la vaccination. Il y a la Tunisie, la Cap-Vert, qui, s'ils suivent la tendance actuelle, pourraient atteindre cet objectif avant la fin de l'année. Donc, vous voyez que la situation risque peut-être de se détériorer à cause de l'accès limité au vaccin, alors que d'autres pays francophones, comme la France, le Canada, la Belgique, etc., ont des taux de vaccination qui sont très, très, très élevés. Donc, ça, c'est un premier point d'inégalité importante entre les pays francophones. Oui, oui, il y a une égalité, puis on voit que on comprend que les données sur le nombre de cas peut être quand même différent, mais la proportion demeure la même. Donc, on voit là, que l'Afrique subsaharienne a été moins touchée. Je vois que les gens continuent à nous saluer des différents pays, la francophonie continue à le faire, c'est toujours intéressant, on aime ça vous lire au bas de l'écran. Et n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse avoir une entrevue très concrète avec notre spécialiste de la francophonie économique, Monsieur Boudarba. Alors, ce qui nous amène un peu à regarder, ben évidemment, on a des pays nord-sud, on a des structures économiques un peu différentes et pour tout le monde, la pandémie a été un grand choc économique, mais qui a été vraiment différent, on peut s'en douter, selon les économies. Vous pouvez nous développer sur les données que vous avez eues dans votre rapport? Oui, tout à fait. Un des constats aussi qu'on a fait, c'est,
c'est que l'impact de la COVID a été plus important dans l'espace francophone que dans l'ensemble du monde. Par exemple, la réduction ou la baisse des produits intérieurs bruts a été deux fois plus importante dans l'espace francophone que la moyenne mondiale. Donc, on parle à peu près de 6, une baisse de 6,8% versus 3,4 ou 5% dans le monde. Alors que si je ne me trompe pas, on était vraiment en croissance dans notre développement économique, la francophonie par rapport. Donc, on était en croissance au départ, mais là, on est vraiment en baisse plus importante. On a été plus touchés par les conséquences, mais il faut dire aussi que les pays francophones étaient très ont pris des décisions aussi très, très drastiques, là, qui ont eu des conséquences très, très fortes sur leur économie, en particulier la France et le Canada, qui ont pris des mesures très, très sévères pour freiner la propagation des virus. Et par conséquent, ça a inévitablement affecté l'économie et les populations. Ce qui est très intéressant aussi de constater que beaucoup de gains qui ont été faits, que ce soit en termes de croissance économique ou d'égalité entre les sexes, d'accès à l'éducation, il y a l'emploi, il y a eu beaucoup de recul à ce niveau-là, notamment en Afrique subsaharienne. Ce qu'il faut aussi mentionner, ça nous rappelle encore les grandes disparités entre les pays francophones eux-mêmes, c'est la capacité du gouvernement à réagir face à la COVID. Alors, par exemple, on peut constater qu'au niveau du Canada, de la Belgique, de la France et de la Suisse, qui ont été capables de dépenser entre 18 et 24% de leur PIB pour faire face aux conséquences de la COVID, on voit que dans la plupart des pays francophones africains, c'est entre 1 et 4% du PIB. Donc même la capacité budgétaire, la marge budgétaire pour faire face à ce genre de crise s'est avérée très limitée dans beaucoup de pays francophones africains notamment. Et par conséquent, c'est les populations qui payent le prix, donc qui sont laissées à leur destin. Ouais, parce qu'en fait, on est tous les deux basés au Québec, vous à Montréal, moi à Québec. Ici, on comprend que oui, on a stoppé rapidement l'économie, mais les gouvernements ont injecté de l'argent, ce qui n'a pas nécessairement été le cas dans les pays du Sud. Il y a aussi une autre problématique, si vous permettez, madame. Oui, allez-y. C'est que à la base, il n'y avait pas une structure d'aide sociale, de soutien aux revenus. Donc, le filet de sécurité sociale était pratiquement inexistant. Par conséquent, même lorsque les gouvernements voulaient aider, il n'y avait pas de structure sur laquelle se baser, ce qui nous a amené à la question de ciblage. Comment cibler les personnes qui ont vraiment besoin d'aide? Et ce qui est fait, malheureusement, que dans plusieurs cas, des gens qui n'avaient pas besoin d'aide, c'est eux qui ont reçu cette aide. Ah oui. C'est un peu malheureux. Puis il y a eu aussi un impact particulièrement important sur l'économie informelle. On peut comprendre. Peut-être que vous pourriez nous expliquer davantage cet impact. Oui, tout à fait. Ça, c'est des choses aussi qui viennent compliquer l'intervention gouvernementale, que ce soit l'intervention sur le plan économique, mais sur le plan sanitaire. Comme vous savez, le secteur informel par construction est basé beaucoup sur des relations humaines très proches, des contacts très directs, c'est des marchés où les gens se mettent ensemble. Donc, c'est des groupes qui composent avec aucune distanciation sociale, si vous voulez. Et par conséquent, lorsque les gouvernements ont pris, vous savez que tous les pays presque dans le monde ont réagi de la même façon parce qu'on était dans l'incertitude. L'idée au départ, c'était de stopper l'arrivée du virus. Mm-hmm. Tout le monde a fermé les écoles, a fermé les entreprises, les commerces, imposé un confinement, interdit les rapprochements physiques, etc. Et ça a eu des conséquences très, très, très néfastes dans les pays où il y a absence de filet de sécurité sociale, mais aussi où l'activité économique est basée sur des contacts humains très, très rapprochés. Et ça a eu un impact très fort, ce qui fait que dans certains cas même, en Afrique francophone, où les périodes de confinement ont coïncidé avec la période des récoltes. Donc, ce qui fait qu'ils ont récolté leurs produits, mais par la suite, ils ne pouvaient pas les commercialiser parce que, premièrement, il n'y a plus de transport pour transporter les marchandises. Et deuxièmement, il n'y a plus de marché où vendre ces produits. Et ça a amené des problématiques des secteurs informels, l'absence de logistique pour stocker les produits, de commercialiser donc des réseaux formel de commercialisation et de stockage des produits.
ça s'est avéré très défaillant et ça a coûté trop cher pour les populations. Oui, je comprends. Notamment les femmes, hein, notamment les femmes qui sont très, très présentes dans ce genre d'activité informelle. Oui, tout à fait. On le disait tout à l'heure, l'Afrique est, et j'ose le croire, continue d'être un continent d'avenir où il y a une forte croissance. La pandémie est venue évidemment stopper ça là comme ailleurs. À votre avis, est-ce que, et de ce que vous avez pu observer là, sur votre toile, est-ce que c'est fatal? Est-ce qu'on accuse un retard important? Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est sûr que ça, on va s'en sortir. Il faut juste dire aussi que la COVID, ça continue toujours dans plusieurs coins du monde. On n'est pas encore sûr comment ça va se terminer. Certainement qu'il faut apprendre à vivre avec pour pratiquement pour le long terme. Mais ce qui est très très important, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont repris, que plusieurs secteurs ont retrouvé à peu près le même niveau d'activité qu'avant COVID. Le cas de l'Afrique est un peu particulier parce qu'il y a toujours ce secteur informel qui est très dominant. Il y a aussi la question de la croissance démographique qui est très importante, qui fait que même si on observe des fois des taux de croissance économique très importants, ces taux de croissance sont réduits par le taux de croissance démographique qui est plus important. Ce qui fait que dans les faits, on observe des taux de croissance importants, mais le niveau de vie de la population qui ne s'améliore pas à cause du PIB par tête qui reste stable ou diminue même dans certains cas. Donc c'est très important. Il y a beaucoup de choses à corriger, je pense, au niveau des pays en développement, la question de gouvernance, la question de la dette, la question d'éducation, de l'autonomisation des femmes et ainsi de suite. Donc, c'est des sujets qui sont très, très variés. Je voulais aussi mentionner que l'ouvrage qu'on a publié, c'est des études qui ont été faites au début de la COVID et que par conséquent, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis et que certainement, peut-être une mise à jour s'impose. Ah oui, la situation avance à vitesse grand V et l'information vient rapidement obsolète. Là, c'est vraiment du jamais vu ce qu'on vit présentement. Sur cette note économique, à votre avis, est-ce que la normalisation peut nous apporter des solutions dans ce contexte économique de relance? Je pense que définitivement, dans un contexte où on cherche à encourager les échanges commerciaux entre les pays francophones eux-mêmes, comme vous le savez, les échanges restent encore très, 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 très faibles par rapport au potentiel qu'on pourrait réaliser. Ça reste faible entre le nord et le sud francophone, mais ça reste aussi faible entre les pays francophones de la même région. Et nous, à l'Observatoire, on essaie de promouvoir ces échanges-là. Et ça implique bien sûr une présence plus grande des entreprises africaines et francophones en général dans le commerce mondial, et ça passe inévitablement par des normes. Donc il faut encourager les entreprises à s'informer, des fois même ils ne sont pas informés, et à s'approprier les normes et à les mettre en exécution pour pouvoir intégrer le commerce mondial et atteindre cet objectif aussi cher pour la stratégie, pour la francophonie économique, qui est d'augmenter la solidarité, que ce soit sociale, mais aussi économique entre les pays francophones. Il y a encore un espace, un potentiel énorme à réaliser, et je pense que les normes vont certainement aider. Et ce qui serait aussi intéressant, c'est que les pays francophones, notamment de l'Afrique, s'impliquent davantage dans la définition des normes pour prendre en considération leur contexte culturel et social qui pourrait être très différent. Et peut-être un point à mentionner et qui a été traité dans notre ouvrage collectif, c'est comment des pays ont fait pour assurer la continuité des apprentissages pendant la COVID. Vous savez que tout le monde a fermé les écoles, puis tout le monde a pensé à l'enseignement à distance, mais c'est sûr, quand on est dans un contexte où la population n'a même pas accès à l'eau potable, alors comment avoir accès à l'électricité, aux ordinateurs, à l'Internet, aux données, etc. Ça devient très, très compliqué pour assurer la continuité des apprentissages. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous avez noté des différences culturelles importantes qui ont fait qu'on a eu des disparités
Effectivement, on a deux études intéressantes dans l'ouvrage, l'une qui porte sur la Tunisie et l'autre sur le Sénégal. Et puis, il en ressort clairement que le facteur culturel était très important, en plus du facteur économique. Là, on sait que les familles pauvres n'ont pas les moyens pour donner des cours, à permettre à leurs enfants d'avoir les moyens pour suivre des cours à distance. Mais sur le plan culturel, en Afrique, c'est avéré très important que la présence, si vous voulez, d'un professeur, d'une professeure, face à face à l'étudiant pour assurer l'apprentissage, et que quand ça se fait à distance, ça produit pas le même effet quand c'est en présentiel. Il y a un respect très important de l'autorité des professeurs, et ce respect-là, ça implique plus d'apprentissage, si vous voulez. Dans le cas de la Tunisie, le problème, ça a été plus que les professeurs n'étaient pas présents, même en virtuel, mais plus envoyés des documents sous forme de PDF, et les gens devraient lire et faire l'auto-apprentissage, alors que ça n'a pas marché parce que ça prend quelqu'un qui donne les consignes, qui explique, qui est présent Ouais. pour qu'on puisse apprendre. Donc, vous voyez, on apprend des choses très intéressantes qui nous permettent de comprendre par la suite pourquoi certaines choses marchent dans certains régions et pas dans d'autres. Ouais. Donc, quand le chat est absent, les souris dansent, c'était tout à Exactement. fait le cas. Exactement. Et des parents, effectivement, se sont plaints du fait que leur enfant n'était pas capable de se concentrer sur leur cours quand c'est à distance. Oui, je comprends. Peut-être un mot, vous allez avoir une conférence prochainement, là, l'Observatoire au Sénégal. Peut-être nous en dire un mot. Oui, tout à fait, merci de me le rappeler. Tout le monde est invité à notre prochaine conférence internationale sur la francophonie économique qui aura pour thème cette année vers une économie résiliente, verte et inclusive. Donc, c'est dans le cœur de la COVID. Elle Dans va le cœur de la avoir lieu. COVID, et si vous me permettez, de ce qui se passe à Glasgow présentement. C'est ça, exactement, tout à fait. Donc, tout est lié. C'est un sujet, c'est un thème fédérateur et qui est vraiment est au cœur aussi de la stratégie économique pour la francophonie. Et ça va avoir lieu à Dakar du 16 au 18 mars 2022, et on espère bien que le contexte sera favorable pour avoir la rencontre en présentiel. Et on avait eu notre dernière rencontre à Rabat en 2020, mars 2020, et on a eu le bonheur de vous accueillir. Madame Drouin, C'était partagé. vous avez animé un atelier sur les normes, comment se développer donc à travers les normes. Et c'est un atelier qui a été très apprécié, que nous avons mis beaucoup de pression sur vous pour le redonner encore à Ah, Dakar. écoutez, vous n'avez pas besoin. Si vous enfoncez des portes ouvertes, on sera là avec grand plaisir, vraiment. Donc, c'est une invitation ouverte à tout le monde. Et on est très heureux de mentionner qu'on a beaucoup d'acteurs de la francophonie qui vont être présents avec nous, la Confégeste, la Confémène, la délégation du Québec à Dakar, l'ambassade du Canada et l'ambassade de France à Dakar, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, le Centre de recherche pour le développement, les offices jeunesse du Québec, les offices franco-québécois pour la jeunesse. Donc, on est vraiment très heureux nos partenaires fondateurs, bien sûr, à la base, ils sont toujours derrière nous pour soutenir ce genre d'activité. Alors, l'invitation est ouverte à tout le monde, et vous avez toute l'information, encore une fois, sur notre site, le site de l'Observatoire. Et j'invite, en passant, tous les participants ou les gens qui les écoutent aujourd'hui, qui vont nous écouter plus tard, à s'inscrire à notre liste de diffusion. Comme ça, ils Oui. pourront recevoir toutes les informations sur l'Observatoire. Parfait, bonne idée. Et moi, je suis abonnée à votre liste de diffusion et c'est vraiment de l'information de grande qualité. Écoutez, on arrive déjà à la fin de notre entrevue. Vous venez de mettre la table sur votre prochaine conférence qui va nous parler de la résilience de notre économie dans un contexte d'économie verte. Moi, j'ai envie de vous donner la parole puis de vous dire c'est quel message vous avez à donner à notre francophonie justement pour se sortir de cette COVID-19. Moi, je pense, d'après les constats qu'on a faits, c'est qu'il y a beaucoup d'inégalités, si je pense, si j'ose dire, entre les pays francophones, quant à l'impact, mais surtout quant à la capacité à réagir, en période de crise. On a vu qu'il y a des pays qui ont beaucoup de moyens,
qui peuvent se permettre des dépenses très importantes, qui arrivent à venir en aide à tout le monde, que ce soit sur le plan économique, mais aussi au niveau de l'accès aux vaccins, hein, pour donner des soins, pour les protéger contre la COVID. D'un autre côté, nous avons des pays qui, dans la capacité très, très limitée, et qui malheureusement n'arrivent pas à donner des vaccins, n'arrivent pas à venir en aide à leur population qui dépendent beaucoup des activités quotidiennes qui ont été malheureusement mises à grande épreuve. Mais on constate que c'est comme si les pays évoluent chacun indépendamment de l'autre. Il y a absence, je dirais, de cette solidarité qui devrait être démontrée dans des moments comme celui de la crise de la COVID. Donc, ça aurait été peut-être mieux pour la francophonie de voir que ces écarts-là soient réduits au minimum. Et peut-être c'est l'occasion de tirer des leçons que la prochaine fois, si une telle crise se produit, que les pays francophones mettront à profit de tout le monde ce qu'ils possèdent en commun. Et donc, que ce soit les moyens financiers, que ce soit les vaccins, que ce soit les services de santé, etc. Donc moi, mon appel aujourd'hui, c'est une plus grande solidarité entre le Nord et le Sud. Solidarité, mutualisation des ressources, partageons, exactement. Puis on est toujours aussi fort que le maillon le plus faible de notre chaîne. Tout à fait, surtout qu'on a montré qu'il y a des capacités qui sont très, très importantes, qui existent et qui méritent d'être mobilisées, quitte à imposer des normes hein, pour les pays aussi, pas seulement pour les entreprises. Ah, je sens qu'on aura des discussions ensemble sur les normes à établir. Hein. Il y en a exactement, toujours des nouvelles à mettre en place. Exactement. Et d'ailleurs, si vous permettez, Madame Drouin, nous avons un article sur l'impact des dépenses de santé sur le taux de mortalité à la COVID et qu'on démontre des fois que ce n'est pas les fonds qui manquent, mais c'est la façon dont les fonds sont utilisés qui pose problème. Et dans ce cas-là, on pourrait amener des normes aussi. Absolument, parce que les normes, ça sert d'abord et avant tout à créer de la connaissance, à établir les règles de l'art sur les meilleures façons, faire pour les diffuser. Hein? C'est vraiment... Ceux qui respectent les normes vont tirer avantage. Tout à fait. Écoutez, c'est déjà la fin, alors c'est la question que je pose à tous mes invités, M. Boudarbat. Alors, quel est votre mot préféré de la langue française? Mon mot préféré de la langue française, vous savez que la langue française est riche en mots. Hein? Oui, ah oui, oui, là c'est... Donc c'est vraiment un choix difficile, mais moi je dirais à partir de mes recherches que j'ai faites, que ce soit dans l'observatoire, mais bien avant d'être à l'observatoire, je me suis toujours intéressé aux questions d'accès à l'emploi, d'intégration des immigrants dans leur pays d'accueil, etc. Et par conséquent, moi, je trouve le mot qui s'impose après ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est l'inclusion. L'inclusion. Moi, je pense que c'est le mot inclusion parce que l'inclusion, vous savez qu'en Afrique francophone, même la stratégie économique le dit clairement, que le développement repose sur le potentiel que représentent les jeunes et les femmes. Vous savez qu'en Afrique francophone, 60% de la population a moins de 25 ans, comparativement à 40% dans le monde, ce qui fait que c'est une population très jeune, mais qui amène beaucoup de défis. Et malheureusement, le fait que ces défis ne sont pas pris en considération, ça fait en sorte que beaucoup de jeunes et de femmes sont exclus de la société, sont exclus de la participation au développement de leur communauté et de leur pays. Parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne éducation, ils n'ont pas même pas accès à l'école, n'ont pas reçu l'éducation de qualité, n'ont pas acquis les compétences qu'il faut pour intégrer le marché du travail et le monde du savoir, n'ont pas été accompagnés ni pour trouver un emploi, ni pour créer une entreprise. Vous savez aussi que l'Afrique francophone se caractérise par un esprit entrepreneurial parmi les plus développés dans le monde, surtout chez les femmes. Mais malheureusement, ce potentiel est largement sous-utilisé par manque de soutien, par manque d'accompagnement, par manque de formation, par manque de financement. Et vous savez, un des résultats qu'on a trouvé dans notre ouvrage aussi, c'est l'un des facteurs qui aide les entreprises à traverser la crise de la COVID, c'est la formation dans les compétences entrepreneuriales et surtout l'accès au financement. Les entreprises qui peuvent accéder à du financement peuvent survivre, peuvent adopter des stratégies de résilience. Et ça, c'est un défaut
malheureusement majeurs au niveau de l'Afrique francophone. Et donc, j'aurais dit encore, c'est l'inclusion des jeunes et des femmes par l'éducation et par l'emploi de qualité. Tout à fait. C'est très intéressant ce que vous dites là. Donc, il faut vraiment encore et toujours prendre conscience qu'on a des forces vives sur le terrain, mais il suffit de les inclure dans nos stratégies. C'est ça. Lorsqu'on voit des pays comme le Canada qui peinent à répondre aux besoins du marché du travail, des problèmes de vieillissement de la population, de croissance de population, et tout ce qu'ils font pour avoir une population des jeunes dans la population par rapport à des pays qui ont beaucoup de jeunes et qui n'en profitent pas pour se développer sur le plan économique et social, on voit qu'il y a un grand gaspillage. Il y a une occasion en or qui est ratée. Vous avez raison, c'est un bon message puis qu'on va garder en tête avec nous dans notre quotidien, dans nos valeurs et dans nos actions. Monsieur Boutarbat, un immense merci pour votre générosité et le temps que vous avez accordé à notre entrevue de Rencontre hors normes. Encore une fois, on a eu la chance de rencontrer un humain qui se dévoue à notre francophonie économique et ça a été un immense plaisir de vous recevoir. C'est réciproque, Madame Drouin, et je voudrais signaler aussi c'est que si nous réalisons notre mission, c'est grâce à des acteurs de la francophonie aussi qui travaillent avec nous et en notre réseau de normalisation et francophonie que je voudrais remercier encore une fois pour votre présence toujours dans nos activités et la tribune aussi que vous nous donnez aujourd'hui pour faire connaître l'Observatoire. Donc un grand merci. Moi, je dirais qu'on travaille en famille, hein, c'est ça. Oui. Qui est très, très important à mentionner. Oui, on a de l'avenir ensemble, M. Boutarbat. Alors, sur ça, je vous laisse à vos occupations. Je sais que vous êtes un homme très occupé. Merci beaucoup, puis à bientôt. Merci à tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Wow! Quelle force tranquille, M. Boutarbat. Écoutez, moi, je, en toute confession, quand on s'est confiné le 13 mars, là, la dernière activité que j'ai faite, c'était avec l'Observatoire de la francophonie économique. J'étais à leur grand rassemblement, à leur conférence, et c'est là que j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer M. Boutarbat. C'est un homme de grande intelligence, de passion et de travail acharné qui m'inspire vraiment beaucoup. Et je pense que j'aurai la chance de sortir de cette pandémie en allant justement à la prochaine conférence à Dakar. Alors, j'espère que vous serez des nôtres. Je vous invite aussi, on a déjà travaillé le réseau normalisation et francophonie avec l'Observatoire de la francophonie économique. On a contribué à un de leurs ouvrages en écrivant un chapitre que vous pouvez consulter à l'adresse qui est inscrite au bas de l'écran, où on a fait état des défis et des enjeux pour que les entrepreneurs de l'Afrique francophone puissent utiliser les normes comme outil de développement économique. Alors, je vous invite à lire ce chapitre-là disponible sur notre site web. Alors, voilà, c'est déjà la fin. Je vous donne un prochain rendez-vous le 17 novembre prochain. Ce sera avec M. Henri Monceau. Ah, bonjour Clément, ça fait plaisir de vous voir. Clément Duhaime, l'ancien secrétaire général de l'OIF, justement. Alors, on aura M. Henri Monceau, le directeur de la francophonie économique et numérique de l'OIF, qui va venir s'entretenir avec nous pour la dernière rencontre hors normes de cette saison. Et on va parler de la stratégie économique pour la francophonie parce que, comme vous le savez, la normalisation occupe une place de choix et a été identifiée pour être un levier pour les enjeux de cette francophonie économique-là. Donc, c'est un rendez-vous avec M. Monceau. D'ici là, ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous, n'hésitez pas à revoir cette rencontre hors normes sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, site web, LinkedIn. Consultez notre site web, abonnez-vous à nos publications, à nos médias sociaux et je vous dis à la prochaine pour une prochaine rencontre hors normes.